بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers sœurs, chers frères, je suis content encore une fois de vous retrouver pour cette émission sur le message de l'islam pour que nous essayions ensemble de comprendre des éléments de notre religion et de poursuivre cette réflexion étape après étape, émission après émission. Nous avons beaucoup parlé de la réforme, nous avons parlé de l'individu, de la communauté, nous avons parlé du djihad, nous avons parlé des éléments de la foi. Il y a une question au fond qu'il faut poser et sur laquelle il faut s'arrêter quand nous réfléchissons à l'islam. Aujourd'hui, à travers le monde, quand les gens pensent à l'islam, ils ont une perception qui est réelle en fait, c'est de dire pour les musulmans, il y a beaucoup de rituels. C'est une religion qui est rituellement extrêmement exigeante. Parce que dans la tradition chrétienne aujourd'hui, ou dans les traditions juives, bien que dans la tradition juive aussi, dans non pas la tradition strictement libérale, mais dans le judaïsme orthodoxe, dans la grande majorité de la tradition juive d'ailleurs, vous avez aussi des pratiques qui sont extrêmement exigeantes. Vous l'avez dans la réalité, si on regarde comment vivent les moines bouddhistes, vous allez voir qu'ils sont très très exigeants dans leurs pratiques. Mais dans les vies quotidiennes des gens, du commun, eh bien, ce qui majoritairement est perçu, c'est que la pratique a pratiquement disparu de la vie quotidienne du matin. Pour une musulmane et pour un musulman, la pratique, c'est pas simplement de dire Dieu, c'est cinq prières par jour, c'est le vendredi, c'est le jeûne une fois par année quand même, c'est un mois par année, ça veut dire un douzième de notre vie, en fait, nous le passons à partir de l'âge de raison à jeûner. À jeûner, c'est-à-dire à nous restreindre spirituellement, même si parfois c'est devenu aujourd'hui plus culturel que religieux, c'est certain, reste que religieusement c'est important. Et puis la zakat, le fait qu'il faille donner de son argent, donc on a dans notre quotidien une visibilité spirituelle, une visibilité de la pratique. Et puis après, ben, il y a la tenue vestimentaire, il y a le fait qu'on ne mange pas de porc, le fait qu'on ne boive pas d'alcool, donc il y a une visibilité de la foi pour les musulmanes et les musulmans, qui, elle, s'appuie sur une pratique qui est exigeante quotidiennement, qui est réelle, qui est présente et avec laquelle il faut vivre en tant que musulmane et musulman. Aujourd'hui, dans les sociétés majoritairement musulmanes, comme dans les sociétés où les musulmans sont en minorité, et cette pratique qui est visible, cette pratique qui constitue notre quotidien, qui rythme notre quotidien 5 fois par jour, et parfois on prie tard la nuit, et on prie tôt le matin, c'est lié aussi au temps, puisque tard, le Salat al-Aïcha est tard pendant l'été, elle peut être tard pendant une longue période de l'année, le Salat al-Fajr, celle du matin, la première prière du matin, elle est extrêmement tôt, elle est en même temps avec ce avant le lever du soleil, donc c'est pour nous mettre aussi dans une condition de lien spirituel et de lien physique avec le temps. Donc, et puis la semaine, le vendredi, puis ensuite l'année avec le ramadan, et puis ensuite la vie avec le pèlerinage. Tout ceci est lié à des cycles dans la linéarité de notre temps. La linéarité, commencer à un moment, finir là, inna lillahi wa inna ilayhi raja'un, et puis des cycles qui sont des cycles de la pratique. Et donc on s'arrête un petit moment, et puis on se dit, eh bien, à quoi sert la pratique? À quoi sert-il finalement? Est-ce que l'on a une raison? Alors, il faut comprendre une chose, on le dit, tout dans les religions n'est pas explicable rationnellement ou ne trouve pas une réponse rationnelle ultime. Mais attention, rien, en tout cas c'est ce qu'on dirait de l'intérieur de l'islam, n'est irrationnel. C'est-à-dire que même quand rationnellement on ne trouve pas une réponse à une question en disant pourquoi cela, eh bien la non-réponse rationnelle à la question, c'est la raison de cette implication. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à des moments donnés, apprendre les limites de la rationalité, c'est pas irrationnel, c'est juste la raison qui dit je ne sais pas, je peux pas aller plus loin. Bon, on le sait dans notre vie quotidienne, chacun d'entre nous, on peut avoir des affections, on peut avoir des amours qu'on peut pas expliquer rationnellement, parce que la raison, Blaise Pascal, le philosophe français, disait le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et l'islam, dans un des livres, j'essayais d'expliquer
que le cœur a ses raisons, que la raison reconnaîtra. En islam, il y a une relation de miroir entre le cœur et la raison, que la raison reconnaît les raisons du cœur. Et quand la raison reconnaît les raisons du cœur, elle connaît les limites de sa propre rationalité, la raison. Quand elle connaît les raisons du cœur, ou quand elle les reconnaît, ou quand elle reconnaît que finalement le cœur comprend parfois des choses que la raison ne voit pas, ne comprend pas. Ça, c'est le discernement, c'est l'œil du cœur avec la compréhension du cœur. C'est ce qui nous est dit dans la tradition musulmane. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas avec leur cœur. Et quand la raison sait que le cœur comprend, la raison connaît ses limites. Et quand elle connaît ses limites, elle n'est pas irrationnelle, elle est tout à fait rationnelle. Et cette raison sait alors reconnaître les raisons du cœur qui sont au-delà de ce que peuvent être les limites de la raison. Bref, tout ceci pour mettre en évidence une relation ici qui est importante entre le cœur et la raison, mais qui va fondamentalement nous donner le secret de la pratique. Parce que tout, encore une fois, ne peut pas être expliqué par la raison, mais ce que la pratique va nous dire quant à nous est fondamental. En fait, la pratique révèle l'humain. Si Dieu a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, a mis et a établi pour nous le fait que nous devions prier 5 fois par jour, le fait que nous devions jeûner, le fait que nous devions donner la zakat, et ces éléments-là, c'est tout à fait singulier. Ça nous donne une vraie leçon sur la conception de l'homme. En fait, souvent, on part de l'homme pour aller à la pratique. Partons de la pratique et essayons de comprendre quelle conception nous avons de l'homme ici. La première des choses, dans le premier élément, pourquoi pratique-t-on, c'est dès que nous sommes entrés dans l'islam et que nous avons dit « il y a Dieu ». En fait, la reconnaissance qu'il y a un Dieu va nous amener dans la pratique, dans la vie quotidienne, à établir une façon d'avancer vers lui, dire Dieu. Alors bien entendu, c'est en suivant le prophète, dans les deux shahada, les shahadatain, c'est-à-dire les deux shahada, les deux témoignages, j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, et j'atteste que le prophète, Muhammad est son messager, eh bien ce sont deux attestations, je témoigne. Et dès que j'ai témoigné, c'est-à-dire que je reconnais en mon âme et conscience, dans ma liberté et dans ma dignité, le fait qu'il y a un Dieu unique et qu'à lui j'appartiens et que je suis le prophète pour revenir à lui, eh bien, tout ceci va nous amener à comprendre le sens de ce que je dois concevoir. Eh bien, premier des éléments, dès que j'ai dit ceci, dès que j'ai témoigné, ma conscience témoigne, mais ma mémoire est faible. Mon intelligence est faible. Et c'est donc pour ceci que je dois prier. Et que je dois prier les 5 fois par jour nous révèle une des spécificités de l'humain qui est l'oubli. Et donc ce pourquoi je vais prier, on l'avait vu dans une de nos précédentes émissions, c'est pour me souvenir. Et me souvenir, c'est un certain type de rapport au temps. Dieu est le temps, il a créé le temps et de le temps nous devons vivre. Notre souvenir dans le temps, c'est de faire en sorte que notre humanité soit attachée au divin. Soit attachée au divin par le Coran comme elle doit l'être par la prière. Dans ce moment-là, dans le Coran, il dit « Wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ». Alors souvent, on dit, nous, on voit la partie du verset qui dit « Tenez-vous fermement à la corde qui est là, le Coran de Dieu, et ne vous divisez pas. Faites-le ensemble. » Donc on s'appuie beaucoup sur cette dimension de le faire ensemble. Mais ce qu'il y a dans ce verset, ce n'est pas simplement « ne vous divisez pas », c'est « attaché ». Attachez-vous, c'est-à-dire tenez-vous à ceci. Et dans ce sens, souvenez-vous du livre, souvenez-vous du divin. Et donc, dans ce rapport, non pas ce qui est l'élément de votre unité, c'est pas la corde que vous tenez, c'est le souvenir que vous faites vivre. C'est le souvenir que vous faites vivre. Et donc, la prière, c'est la lutte contre nos propres faiblesses humaines, parce que nous sommes des êtres d'oubli. Et dans comme nous sommes des êtres d'oubli, c'est aussi également un rapport au temps, au rapport au temps. Donc, il n'y a pas de spiritualité, encore une fois, qui ne soit pas exigeante du point de vue du rapport au temps.
Et nous le savons, alors à plus forte raison, les cultures du Sud, culture arabe, culture asiatique, culture du Sud de l'Europe, nous avons un rapport au temps qui est tout à fait relatif. Nous ne sommes pas toujours très exigeants. Et vous allez vous rendre compte que souvent, ceux qui veulent faire de l'argent, ceux qui sont très efficaces en matière d'affaires, de business, comme on dit, eh bien, ceux-ci vont être très très strict par rapport au temps, parce que le profit va être mesuré à cette formule: le temps, c'est de l'argent. Et c'est vrai que pour ceux qui veulent faire de l'argent, il n'y a pas de temps à perdre. Mais pour ceux qui comprennent le rapport au divin, c'est vrai qu'il n'y a pas de temps à perdre non plus, parce que la vie est courte. Parce que la vie est courte, donc pour nous, le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est la vie à la lumière de celui qui donne la vie. Et donc, c'est beaucoup plus, ça devrait être beaucoup plus exigeant que ça, si nous avions la conscience de ce que c'est que ce rapport au temps. Donc, ce pourquoi nous pratiquons, c'est pour nous rappeler, dans la prière par exemple, les éléments essentiels de nos rapports de notre rapport au temps, de notre rapport à notre conscience, de notre rapport à notre oubli, de notre rapport à notre condition humaine. Donc, si Dieu a établi la prière pour se souvenir de lui, c'est parce que dans notre essence, nous sommes portés à l'oublier. Et que quand nous sommes portés à l'oublier, nous sommes portés à fauter. La voie qui mène à la faute est celle qui passe par l'oubli. Et passe par l'oubli, donc on a ce rapport par rapport au temps qui est finalement négligé. Le temps, ce peut être une certaine négligence de soi. Et dans une société ou dans nos sociétés, parce qu'encore une fois, ce n'est pas simplement en Occident, quand on le voit partout à travers le monde aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés de divertissement. Et le divertissement fait deux choses: faire perdre du temps, nous faire oublier le temps, et de nous faire oublier nous-mêmes. Oublie le temps qui passe pour t'oublier. Les formules françaises telles que s'éclater, s'oublier, se divertir, eh bien, de ce point de vue-là, sont très très révélatrice. La prière, ça n'est pas une prière pour ne jamais se reposer et se divertir, mais donner à son divertissement la qualité de sa dignité. Ça, ce sont des choses aussi sur lesquelles il faut que nous soyons particulièrement sensibles, sur lesquelles nous avons à travailler. Et donc, le sens de la pratique, c'est ceci, c'est ce sens de ce rapport au temps, c'est ce sens de ce rapport à soi, de ce rapport au soi dans le temps, de ne pas s'oublier. Et souvenez-vous ce que dit le verset: Ba'da'ouzu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, wal-'asr, innal insana lafi khusr. Par le temps qui passe, l'homme est en perdition. Attention, il est en perdition quand le temps passe et qu'il ne se rend plus compte, il ne sait plus qui il est dans le temps, et le temps efface ce qu'il est. C'est de cette façon qu'il faut aborder la première dimension de la pratique. Nous nous retrouvons après la pause pour pouvoir continuer cette réflexion autour de ces éléments de la pratique et de leur objectif. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve après cette pause. Nous avions vu juste avant la pause cet élément qui était important dans notre compréhension de la pratique, en particulier en quoi nous entrions quand nous disons la shahada avec le prophète, puis ensuite comment nous devons comprendre le fait de prier, le fait de prier dans la discipline de notre rapport au temps et de cette négligence. Regardez votre vie. Regardez aujourd'hui comment vous pouvez être avec le temps qui passe. S'il y a cette idée de se lever le matin quand les gens dorment pour accueillir le jour avec la prière, puis ensuite être régulier, avoir un rythme dans sa vie, qu'est-ce que cela révèle? Ça révèle que c'est comme ça qu'il faut prendre sa vie, c'est-à-dire qu'il faut l'organiser. Il faut l'organiser au travers de ce rythme, de ce souvenir et que nous sommes portés. Et en particulier aujourd'hui, avec tous les moyens techniques que nous avons, à négliger le rythme de la prière, à passer du temps, à le perdre en fait par des divertissements qui, en fait, on devrait se divertir de penser. Aujourd'hui, on se divertit de ne pas pour ne plus penser et ou sans penser. C'est-à-dire que vraiment, c'est un divertissement, non pas d'une fatigue intellectuelle que l'on a, c'est un divertissement pour ne jamais avoir
à s'interpeller intellectuellement ou à travailler ou à se poser les vraies questions. Ce que disait encore une fois le philosophe Blaise Pascal quand il disait le divertissement, c'est-à-dire oublier sa mort, oublier la vie. Et là, souvenez-vous du prophète, Allahumma dhakkirna bil mauti kulli sa'a. Dieu, rappelle-nous la mort à chaque instant, à chaque heure. Pourquoi? Parce que cette mort, non pas d'une façon dramatique, mais simplement parce que ça nous dit que le temps passe, que les choses sont importantes, qu'il ne faut pas les laisser échapper. C'est aussi ça, dire aux gens qu'on les aime, c'est que le temps passe. Et donc la prière, elle nous rappelle ceci, elle dit attention, il faut, dans le rythme de la vie, il faut faire attention à ne pas négliger le temps, car le temps est Dieu, et le négliger, c'est négliger Dieu, et se négliger soi-même. C'est aussi ceci la vie, et qu'il faut dire, quand le prophète dit à son compagnon, il lui dit, dis-lui que tu l'aimes, je t'aime en Dieu, quand je ne cesse, moi, depuis des années aussi, de dire aux gens, il faut dire aux gens que vous les aimez, que vous les aimez. Il faut dire qu'on les aime. Pourquoi? Parce que la vie est fragile, parce que le temps passe, parce que la pratique, c'est ça. Parce que la pratique, c'est de nous rappeler ceci. Mais ce n'est pas terminé. Qu'est-ce que révèle un autre élément de la pratique? Par exemple, pourquoi pratiquons-nous? Parce qu'il y a une dimension de la maîtrise dans le temps. Donc il faut se maîtriser soi, il faut maîtriser sa conscience, et puis il faut maîtriser aussi ses attentions, parce que la zakat, elle nous dit, attention, vous les êtres humains, vous pourriez avoir et en ayant vouloir toujours plus. C'est pourquoi, la tusrifu, ne soyez pas dans l'excès. Soyez dans la juste mesure. Et l'un des éléments qui va être dans la juste mesure, c'est par exemple, faites attention, dans la vie des êtres humains, dans notre vie à nous, eh bien, nous sommes tentés, ça c'est naturel chez nous, nous sommes tentés par être attirés par ceux qui ont soit du pouvoir, soit de l'argent, soit une célébrité. Nous sommes attirés par les sommets. Nous sommes attirés par les sommets humains, c'est naturel. Dès que nous sommes à quelque part, l'autorité nous appelle, la célébrité nous attire et la finance nous interpelle de la même façon. Nous sommes attirés par ceci, est naturel. Alors la pratique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit attention, si vous êtes des pratiquants, c'est là-dessus que vous devez travailler. Attention aux riches qui vous perdent, à l'argent qui vous trompe, à la célébrité qui vous illusionne. Parce qu'il faut que vous reveniez aux choses essentielles. Et c'est là dans le fait de donner la zakat, le fait de donner aux pauvres, à la femme et à l'homme qui n'a pas, que c'est un droit établi pour lui, c'est-à-dire c'est un droit effectif que le pauvre a sur l'argent du riche. Et que elle doit être prise des riches pour leurs pauvres. Ici, elle met une relation de proximité. Deux choses qui sont importantes dans la zakat. Un, le fait de ne pas oublier les pauvres. Vous, les êtres humains, vous êtes illusionnés par la richesse et les sommets. Et l'islam vous dit, soyez dignes et dignement établis par le souci de la pauvreté. Pour être avec le premier, ayez la dignité du dernier. Ayez la dignité du plus pauvre. Ayez la dignité. Et quand on jeûne, à plus forte raison, c'est cette expérience-là qui est importante. Nous sommes en train de jeûner, c'est le mois du Ramadan, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, et nous nous restreignons. Et là, de ce point de vue-là, eh bien, qu'est-ce qui nous est demandé? Eh bien, c'est de penser aux pauvres. Qu'est-ce que ça révèle? Notre capacité à l'oublier, c'est la prière. Notre capacité à oublier les êtres humains pour ne nous occuper que des illusions de l'humain, des illusions du pouvoir, des illusions de la force, eh bien, nous devons nous travailler sur ceci. Donc la prière, c'était cet élément-là, mais la zakat, comme le jeûne, ont cette faculté de révéler, en fait, nos principales tentations et de nous rappeler aux choses essentielles. C'est un processus d'éducation que la pratique est l'un des objectifs. Ça va être la maîtrise de nos égoïsmes, de nos attitudes égocentrées, pour travailler la générosité, pour développer l'amour, parce que nous aimons presque naturellement nous-mêmes d'abord. Et nous aimons naturellement où nous sommes sensibles, où nous allons être plus ouverts, plus malléables, moins exigeants avec ceux qui ont du pouvoir ou ceux qui ont de la richesse ou ceux qui ont de la célébrité.
Or, c'est le contraire qu'il faudrait être. Exigeant avec le pouvoir et généreux avec le pauvre. Exigeant avec le riche et généreux et ouvert avec le pauvre, à celui qui n'a rien. Quand le prophète, à cet homme qui vient et qui pensait qu'il était perdu parce qu'il a eu pendant le mois du Ramadan, eh bien, une relation sexuelle avec son épouse, il pensait qu'il était perdu et qu'il lui demande s'il peut nourrir. Et il dit, mais moi, je peux nourrir personne, les pauvres, je peux pas expier la faute. Et qu'il lui demande d'attendre. Et quand vient un plat de dattes, il lui dit, bah, prends ce plat de dattes et va le donner aux pauvres. Il dit, mais il n'y a personne de plus pauvre que moi. Et le prophète, qui lui dit, eh bien, prends les dattes, regardez. Quelqu'un qui est venu avec lui avec le sens de la faute et qui repart de chez le prophète avec le don de la générosité. Eh bien ça vient de quelle dimension? Ça vient d'un élément de la pratique et qui est la zakat, le droit du pauvre et en même temps de savoir la générosité, le bien strict quant à ce qu'on leur doit, généreux et pardonneur par rapport aux fautes qu'ils font. Et c'est cela que nous devons apprendre dans nos sociétés aujourd'hui. Dans la vie, encore plus aujourd'hui qu'hier, nous nous rendons compte de ces rapports de force dans nos sociétés. Dans les sociétés les plus riches, des millions de femmes et d'hommes qui n'ont pas de travail, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et dans les sociétés du Sud, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud ou en Amérique latine, des femmes et des hommes qui sont livrés à la plus grande des pauvretés et le manque de conscience de l'humanité. On fait des résolutions, on signe des traités, on marque des projets pour mettre un terme à la pauvreté, et puis de faire en sorte que la pauvreté soit un élément disparu de l'histoire. Et pourtant, quand on regarde les faits, les pouvoirs ne sont pas conscients et n'ont pas de politique effective, et nous sommes perdus. Sachez qu'il y a plus d'argent qui vient du Sud endetté pour rendre l'argent au Nord que d'argent du Nord riche aujourd'hui qui vient pour permettre aux gens de vivre et de respecter leurs droits. Donc, ce que révèle notre pratique, c'est le souci de l'humanité, c'est le souci de la pauvreté, c'est le souci de la dignité. L'un, c'est se soucier de son rapport au temps et de son rapport à soi, et l'autre, c'est son rapport aussi à cette collectivité-là, c'est la maîtrise. Donc se maîtriser, maîtriser ses égoïsmes, maîtriser ses oublis, maîtriser ses négligences, maîtriser la perte de ce savoir-vivre et de cette dignité, c'est pour ça que nous pratiquons. La pratique, elle édifie dans la discipline, elle construit une femme, elle construit un homme dans des éléments de sens. Raison pour laquelle il ne faut pas que nous traduisions la pratique musulmane comme tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, sans sens, sans signification. On a déjà parlé de ceci. Il faut que ça porte ce sens-là, ce sens de nous rappeler, de nous révéler à nous-mêmes, de la révélation de la prière comme révélation de soi, la révélation du jeûne comme révélation de soi. Et ce n'est pas terminé. Vous avez dans le jeûne la même dimension, c'est-à-dire cette expérience profondément individuelle. Et vous savez, l'imam Abou Hamed el-Ghazali, il disait cette parole véritablement importante qui relevait. Il disait, dans le jeûne, il y a plusieurs niveaux. On le sait, le prophète sallam a dit, il y a des gens d'entre vous, ils ne garderont de leur jeûne que le fait d'avoir eu faim et le fait d'avoir soif. C'est tout, ils ne garderont rien. Donc il y a le jeûne des gens ordinaires et puis il y a le jeûne des gens qui sont plus profonds, de ceux qui suivent les règles. Et puis il y a le jeûne de ceux qui ont une qualité supérieurs, parce que non seulement ils ne jeûnent pas avec leurs organes, ils jeûnent avec leurs organes, ils jeûnent aussi avec leur cœur. Ils ont un jeûne du cœur. On peut jeûner à la surface de sa nourriture et de sa boisson. On peut jeûner avec son corps et puis on peut jeûner avec son cœur. Et quand on jeûne avec son cœur, on va beaucoup plus loin. Mais là, le jeûne du cœur nous rappelle le service que l'on doit aux gens, aux femmes et aux hommes. Le service, la dimension profonde sur laquelle on doit travailler, que nous sommes négligents avec nous-mêmes. Donc le jeûne, si vous voulez, c'est le lien entre la prière et la zakat, le troisième pilier pratique. Ici, la prière, c'est ce que nous avons mis en évidence par rapport à soi, la zakat par rapport à autrui, et le jeûne, c'est les deux à la fois. Et le dernier élément est une autre chose que nous révèle la pratique, c'est que nous, les êtres humains, dans cet univers, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ardullahi wasi'a, la terre de Dieu est ample. Et siru fil ard wanzuru, il dit allez sur la terre.
Le pèlerinage, c'est ça. C'est à un moment donné savoir que nous avons nos petites habitudes, nous avons nos racines et parfois nous restons ceci et nous avons peur du voyage, nous avons peur de partir. Le pèlerinage, c'est quitter la demeure et s'exposer au monde. Aller vers le centre, c'est vrai, mais aller vers le centre en bougeant de sa périphérie. Ne pas s'installer confortablement dans son quotidien. Il y a dans le pèlerinage cette idée de sortir, d'aller vers le centre, d'aller vers le centre de soi, d'aller vers le centre de ce qui est l'univers spirituel pour nous. C'est aussi ceci que nous révèle, ce que nous révèle la pratique. C'est que très très souvent, nous nous établissons dans des habitudes, nous refusons la rupture. Vous savez, le jeûne rompt l'habitude, la zakat rompt l'accaparement de l'argent et le pèlerinage rompt l'embourgeoisement, le fait de rester. Non, là, il faut aller dans le dénuement. Il faut retrouver dans le cheminement le dénuement humain, c'est-à-dire la simplicité, c'est-à-dire l'égalité des êtres humains, de toutes les périphéries aux statuts sociaux différents, revenir au centre, à l'essence commune, à l'essence de Dieu. C'est ceci que ça révèle, d'ailleurs, un profond cheminement vers l'humilité, un profond cheminement vers l'essence de ce qu'est l'humanité. De cela, il faut que nous réfléchissions. Le sens de la pratique, c'est tout ceci aussi. Il ne faut pas que nous en fassions que des règles, il faut que nous en fassions du sens, de la lumière et une école de la vie pour que nous restions proches des éléments essentiels de la nôtre. Inch'Allah, je vous retrouve sur le canal satellitaire de Iqra, bi'iznillah, et puis Inch'Allah, et puis on se retrouve, vous pouvez venir échanger sur le site internet, bi'iznillah ta'ala, la page website. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.